Bonjour, bonsoir, auditeurs Radio Pacifique, téléspectateurs Télé Pacifique. Nous, dans l'émission Roue Libre avec Franck Etienne. Bonjour, Franck. Bonjour Savannah. Franck, Haïti a vécu, je dis, en décadence et en déliquescence. Nous avons dit, nous arrivons dans le tout bout. Pays arrivé dans le tout bout. Pour nous puis bien comprendre situation ça, nous t'aimerions que vous fassiez un bref exposé de repères historiques de fabuleuses aventures haïtiennes. Bon, il sera toujours question d'une approche globale, parce que moi-même, moi pas trop attaché à cette inflation d'anecdotes que parfois mon Yoshita a raconté, et alors que une simple analyse de certaines notions fondamentales, l'envie d'un être humain, l'envie d'une société humaine, est beaucoup plus important que raconter 10 000 histoires qu'un tel te pour souffler dans mon général ou bien tel président te mettre caleçon long. Question sérieuse. C'est question, moi dit, qui pas gagné une importance fondamentale. Ça veut dire m'a fait une approche globale que j'aurais en langage académique une approche holistique. HOLISTIQUE. Et approche holistique là, c'est les mêmes qui ont approche moderne. Parce que je me suis toujours dit là, et m'a répété tout le temps, jusqu'à ce que mon bouc entende, tout est interconnecté. Parler de la déliquescence, parler du délabrement, parler de la dégénérescence de la société haïtienne, c'est en même temps poser les problèmes du déclin et de la décadence, et en même temps aussi des caractères prédateurs d'une civilisation dominante qui est la civilisation occidentale blanche. Ça veut dire que on ne peut pas comprendre ce qui a privé nous là, sinon pas essayer de comprendre tout ce qui a privé toute la Terre, toute planète là. Et si, comme on m'a dit, que ça est important, nous pas fait un flashback, c'est-à-dire un regard rétrospectif. On t'y virait tout regarder derrière sur certains grands empires. Parce que les grands empires, ils s'entretissent, ils s'enchevêtrent, ils entretiennent des relations et souvent visibles, souvent sournoises, à travers le temps et à travers l'espace. Comprendre ce qui a passé là, nous obliger à remonter, nous ne pouvons pas le miser sous le lit, parce que c'est fond d'apprendre une semaine. Fond d'apprendre qui ça, empire grec latéré, avec des conquérants, parce que toutes ces conquêtes, et ces conquêtes qui menaient nos côtés, nous, là. Philippe de Macédoine, papa Alexandre le Grand, Alexandre le Grand Bhopal, qui est un plus grand conquérant, jeune garçon, d'ailleurs, je crois qu'il mourait à 33 ans. Donc, on imagine, comme l'autre l'a dit, la grandeur ou bien la splendeur ne vient pas avec l'âge. Eh bien, n'est-ce pas font pas qu'être conquête, Alexandre le Grand. Et sorti dans l'Empire grec, nous pas besoin de tomber dans Babylone, n'a pas l'Empire romain lui-même, qui, bon, parle tout avec Jules César, fait un paquet de conquêtes. Et qui vient déboucher sous période Moyen-Âge là. Période Moyen-Âge là, il commençait autour du 3e, 4e siècle pour le finir aux environs du 15e, 16e siècle. C'est là qu'on a sorti nous-mêmes parce que l'Empire pas existé sans conquête. Donc, on vient gagner les grandes découvertes. Et toute découverte, c'était le résultat de voyages, de conquêtes, c'est-à-dire marcher prend, marcher voler, marcher piller, marcher saccager, marcher déchapiller. L'Afrique était tout indiqué
comme un réservoir pour ne que tu aies puisé. Ça a été besoin de puiser force de travail parce que nous n'avons pas de machine de watts. C'est-à-dire nous n'avons pas de ça technologie moderne basée sur la machine parce que ces machines, ça a été parlé de tout développement industriel, n'est que tu as besoin de bras pour te travailler. Eh bien, là, on finit détruit indien dans l'espace de 20 ans. Tu as déjà gagné des millions d'Indiens qui ont mouru. Parce que vie indienne t'a mené pas capable d'adapter à férocité esclavagiste là. Nèg débarqué en Afrique et puis il prend un ancêtre nous. Pas paquet. Donc les ancêtres nous pas paquet, nous font parler sous ça déjà nous pas prêter. Si vous continuez à proposer une question, on laisse avoir fait Louis, puis si vous voulez arrêter, mais t'es messé arrivé dans Haïti. Eh bien, esclavage, ça, sont machines dévorantes. C'est une machine destructrice. Ce n'est pas force physique ou seulement, non. Ce n'est pas structure physiologique ou seulement écrasé, non. L'écraser structure mentale ou l'écraser ça relé. Ça blanc, il est la langue grecque là et la langue française, la psyché. Et en même temps, le craser conscience. Il désubstantialise ou pas gain substance encore, ou pas gain âme. Et s'agissant du code des Noirs, qui ont traité d'esclavagisme, que Nègre établit que Colbert, eh bien, il y a un article, fameux article, qui dit. L'esclave est un bien meuble. C'est-à-dire qu'il est plus mal qu'aux animaux. Il n'a aucun droit. Et il doit passer d'une génération à l'autre génération. Eh bien, tout le bagage, ça, yo, pas comprendre que pas gagner ou un conscient collectif capable d'accumuler et capable parfois dans la situation qu'on subit. Conséquences négatives de pareil traitement sous 3, 4, 5, 6, 7 siècles. C'est-à-dire qu'il y a des Haïtiens jusqu'où il y a qui n'ont pas tête de chaîne d'esclavage. D'autant plus que les 1804 et paraît quand on n'a pas dit qu'il y a une lumière. Son coquin lumière aveuglante que mon te connaît que après 1804 et ben son ère nouvelle qui démarrait nous constater qu'on y a à deux siècles de distance que on peut employer un mot tout à l'heure quelque part monsieur gaspillé 1804 yo gâché 1804 et qui vient faire que yo entré dans bluff. Parce que gérer une société, gérer une nation, gérer un projet national, son bagage trop sérieux pour le trouver tomber la main politicien et bluffeur, politicien magouilleur, et ces races politiciens ça qui continuent avec les exceptions. D'ailleurs, un bagage qui est clair, ça va n'a qu'on connaît, chaque fois qu'il y a exception, les exceptions sont victimes liées. Son monde n'a pas le craser puis devant. C'est-à-dire, quand on prend l'histoire haïtienne, où il y a 5 à 6 périodes où on petit lumière pral jaillit, et puis, vous entendez, nèg qui a assumé le leadership là, ou bien il a récupéré, ou bien le système a récupéré, ou bien le système a éliminé. Bon, nous deux ou trois noms, Franck. Deux ou trois noms. D'exception. Bon, vous avez comme exception d'abord premier fondateur Dessalines. Dessalines, c'est pas que Dessalines Tonse. D'abord, si c'est sous besoin de c'est pas dans le champ politique ou pas le jeune. C'est selon le domaine où je ne sais. Pas que c'est dans le domaine politique. Ou tu as tout récemment, on a qui a gagné Carrou, c'est Mandela.
Mais Mandela, son cas particulier, d'un homme d'abord qui fait plus de deux quarts de siècle, 25 à 26 ans, en prison, et puis jour l'absortie, M. Baye Bourolio, geôlier, qui était là pendant 25 ans, c'est pour mon dire geôlier, c'est bourreau. Et bien, M. Baye l'a main, je dis, monsieur, m'a songé, non? Parce que nous avons vécu la même vie. Parce que, ça sont sages. C'est-à-dire, un homme qui est joli, en même temps, son prisonnier, monsieur, ou obligé là, à veiller prisonnier. Dès que un homme l'a veillé prisonnier, c'est prisonnier, il y a tout. Donc, monsieur dit, monsieur, nous avons mené la même vie. Donc, je souhaite une bonne continuation, moi-même, pour regarder qui s'est dehors, qui va cap souffler dehors. Mais, dans l'histoire, pas nous, alors, je dis, il y a des salines. C'est vrai qu'il faut faire le reproche. Moi-même, reproche pour faire, je suis capable d'adresser des salines. C'était un petit affaire et plimé pour là, pas quitter le relais. C'est un mauvais exemple. Il y a des paroles, les sorties dans la bouche au leader, il pas simple. Et deuxièmement, c'est que M. Teguin a une illusion sous ça où il était le 18 mai que tu as fait là, qui était censé une unité entre les différents segments de la société haïtienne, alors que là encore, ma propre mot là, son bluff lié. Elle dit que monsieur Antonio pour faire l'unité des segments de la société haïtienne, des segments importants, et puis devant, nous rendons compte que ce n'est pas trop vrai union de. Donc là, au tueur de Salines, depuis au tueur de Salines, eh bien, qu'on y a, sans sauter au début de l'intervention, décadence, des crescendo, dégénérescence là, il commence à accélérer. L'accélérer parce que les genoux, terrain propice. Terrain propice là, c'est que la conscience humaine, son construction liée. La conscience humaine, son émergence lente et longue pour arriver à une conscience lumineuse. C'est pas un bagage qui paraît comme ça. Or, esclavage là, t'es déjà fait une moulin nous, mouliner nous, triminer nous et maspiner nous. Donc, ou pote qu'on gagne, faut nous accepter la conscience nationale, pas là, pas présente, li pas de mise, fraîche pour sortir de l'esclavage, gampéder qui te connaît, yo pral en papier zaboka, yo pral en papier la véritable, yo pral en papier mango avec deux ou trois femmes, et puis pour manger mango. Parce que liberté, c'est libertinage. Je me rends compte que c'est ça qui est plus difficile là. À construire qu'on y a une nouvelle société, pas en marge de l'esclavage, mais à contre-courant de tout système esclavagiste là, du système colonialiste là. Donc ça veut dire que, m'dil déjà là, nous mal démarrer. Or, comme on m'a dit un bon exemple, je vais oublier, oui. Ou gagne, après des salines, ou gagne deux nègres, qui a deux époques différentes, mais ils ont même qui étaient misés sur les masses paysannes. C'était Akao avec Goma. Et puis, sur le plan intellectuel, où tu gagne, et Boyer Bazelet, qui était une tentative au niveau de la modernisation. C'est vrai que qu'on pas quelqu'un qui pas veut de Boyer Bazelet parce que Boyer Bazelet était mulat. Moi même c'est pas la question. Rapidement m'a dit que époque Boyer Bazelet c'est époque de l'affrontement, confrontation entre le Parti national de Félicius, Félicité Salomon qui pral symboliser lui-même ça relait déjà l'émergence de la classe moyenne en tant que classe pour soi, c'est-à-dire une classe qui voulait pas pouvoir qu'on y a pour tête lui. Salomon, quelque part, c'est un pionnier du mouvement des classes moyennes qui parle pour vitesse de croisière lui avec Duvalier. Bien sûr, il a commencé avec Estimé, après la révolution de 1946. Bon, pas révolution, ça n'a pas été une révolution. Ça a été un mouvement social, le mouvement social de 1946. Donc, mais c'est Salomon. C'est Salomon qui posait base là, parce que monsieur, c'était
principal, ça me dit, chauffeur machine nationaliste là, mais en face lui, t'as gain le Parti libéral avec Boy Bazley. Parti national a te dit le pouvoir au plus grand nombre. Ou déjà ouais bah ça qui ça pas le mener, il presque lié à non seulement à courant classe moyenne qui prend vitesse avec Duvalier, mais avec l'autre monde tout ça vient nous venir le populisme. C'est-à-dire depuis Massio émergé, eh bien bail au pouvoir même si par incompétence. Donc ces deux visions du monde, ces deux conceptions qui fait face, conception Parti national là, qui dit pouvoir au plus grand nombre, et conception Parti libéral avec Boy Bazley qui dit le pouvoir au plus capable. Petite parenthèse, au moment de parler pour mon yo et son même qui dit qui catalyse moi, ma bay point de vue pam. Oui. Point de vue pam, moi ta vie en formule, m'a en politique même, tout le monde connaît puis il toi pour moi, nous sommes vieux rat connait capitaine qui est pour bon Dieu dit moi, faut qu'on fait voyage là. Donc même Abdil opinion et opinion ça me gagne depuis longtemps. Formule globale là qui ont encore une formule holistique, qui ont encore une formule de réconciliation, le pouvoir au plus capable au service du plus grand nombre. Bien dit. Le pouvoir au plus capable parce que faut qu'il y ait compétence pour faire pouvoir mon pas improviser tête ou pas connaître moi-même technicien et en agronomie. Technicien de l'environnement, technicien de la médecine, technicien en finance, à Kounia nous avons une branche de l'informatique, technicien d'informatique, technicien dans les branches de l'information, ou bien dans ça, les technologies nouvelles. Ce sont des choses qu'on étudie, il faut aller à l'école. Il faut avoir une expérience pour faire. On ne peut pas brûler le monde, pas qu'on cuit manger, et puis passer son maïmoun, il ne peut pas manger pour le bon moment vidé. Il y a un bon moment qui est un bon goût, moi-même, qui est un bon goût. Aussi, plus bon goût que du riz. Ou bien, vous avez pris tout petit mi et puis le bon. Faut qu'on fasse. Je ne vais pas prêler un cordonnier pour me dire le fond veste pour moi. Aussi, je ne vais pas prêler un tailleur pour me dire le fond soulier pour moi. C'est ça qui est important. Même Jean Tout, là, on a fait un bagage pour viser l'excellence. Je ne vais pas entrer dans l'anecdotique, mais je ne suis pas content du tout semaine ça que passe un pays dans bêtises avec une équipe de football, faut parer pour ça. Ou pas capable improviser avant ma son grand nèg qui en Belgique, ou ma son grand nèg qui Atlanta, ou ma son grand nèg qui en France et pour dire monsieur équipe liée. Ou équipe c'est une formation en politique tout puisque c'est la question de politique. Donc dans tout domaine qui gagne une vision d'ensemble, une vision d'harmonie et une vision de coopération, une vision d'entente pour nous connaître, mes côtés de braler, mes stratégies ou tactiques à employer pour nous bailler goal, pour nous pas prendre goal, si c'est un match nous l'a sauvé, ou bien si nous voulons battre, mais ça pour nous faire. M'oblige de dire, et je crois qu'un pile ici partager ce bas avec moi, l'île pour nous suspendre improviser. Nous chitons à improviser depuis l'époque esclavage. Même au niveau des grandes révoltes, des Mahons, bagaille était bouillie vide là-dedans. Tout. C'est ça qui fait tout ça le vertige, pour le groupe, chaque problème qui expliquait chaque lit. Donc, moi, je dis que faut nous suspendre, improviser. Faut nous servir avec les gens qui sont capables, les gens qui connaissent, mais les gens qui connaissent, occupés, les hautes fonctions au niveau de la hiérarchie du pouvoir, il faut le connaître tout. Ce n'est pas poche qui vient plein. Ce n'est pas affaire groupe qui vient occuper. Ce n'est pas affaire famille qui vient occuper. Ce n'est pas affaire catégorie sociale qui vient occuper. Il faut nous connaître que là où il y a la compétence, on doit avoir aussi, d'après ça avec l'autre jour, ce que Spinoza appelle l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire. C'est la morale avec grand M, mais liée à la conscience humaine, la conscience lumineuse, la conscience du partage, la conscience de la convivialité, la conscience du « je te donne, tu me donnes ». C'est l'échange qui est la base de la vie véritable des êtres humains, et ça pour le tailler.
Donc, m'pa vle, mon monde, comme dit compétence, et puis des fois, on ne pas connaître, il connaît pas les forces bien, il connaît manipuler les chiffres bien, et puis il a une capacité dans le domaine informatique, une capacité dans le domaine mathématique. Et puis, non, il faut que le monde qui connaît, le plus capable que connaît, c'est au service de ceux-là qui peuvent faire le travail ou faire. Et pour, avec le temps, tout, ou former de manière pour gagner un passe qui baille, un changement avec relais dans le temps, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, n'a formé dans un siècle, n'a formé 2000 ingénieurs, n'a formé 10 000 docteurs, de manière que ce n'est pas moi-même, les malais, et puis son place vide qui là. C'est histoire ça, oui, Savannah. C'est cette inconséquence qui mène nous là, oui. A dit que Boye Bazley, Goumen lui-même, pour le prendre pouvoir avec le Parti libéral, pour que les plus capables occupent les postes, d'accord. Mais il faut le t'avoir ajouté pour le servir, puis grand homme blanc. Et puis, c'est l'équité, ce passe-là pour Salomon, qui vient avec le Parti national, qui dit le service et le pouvoir au plus grand homme. Ça veut dire que ma prenez porte nègre dans l'arrière, passez le pauvre. Vous pouvez passer par connaître le paysan et puis me laguer, on ne débat pas la main. Non. Nous parlons de qui échoué, ça qui est un grand échec pour nous. C'est Antenor Fimé. Et là, Savannah, comme nous dit ce que tu es bandé, mais c'est normal, c'est sous forme de pilule, nous obligé de faire un gros développement, puisque même si ce petit espace universitaire, que Radio Télé Pacifique créé, mais c'est l'espace universitaire, ça n'est pas grand pile temps. Ma baille sous forme de pilule. Ou te connais que ces bagages qui répétaient tout le temps? C'est-à-dire le big stick, le gros bâton, le fusil de Noah Alexis, dit Tonton Noah, et puis qui crasait toute étude, toute affaire de doctorat. Que c'est Louis-Joseph Janvier qui était docteur cette fois. Hein? Louis-Joseph Janvier, nous te gagnons ça, c'est fin 19e siècle là. Fin 19e siècle haïtien, hein? Te baillon un paquet de cerveau. Moi, c'est tout cerveau ça, yo. Bat devant gros bâton. Depuis gros bâton paraît, alors, ce qui signifie que, combat m'a dit tout, et là, m'a dit le pour, n'est qu'il est politique active, m'a pas dit m'a en politique. Puisque le papier gazoline ou prime, m'oblige la politique. Moi, son conseil m'a baillé, moun qui la politique. Faut arranger nous pour nous gagner un leadership populaire tout. Parce que c'est là ça, le plus capable à servir le plus grand nombre. Ou prend pouvoir, ou gagne 10 diplômes, ou gagne 15 diplômes, ou gagne 7 doctorats à couvrir Joseph Janvier, ou bien ou gagne connaissance intellectuel qui est Antenor Fimé, on ne pas oublier de l'égalité des races humaines. Antenor Fimé répond Gobineau. Gobineau qui écrit l'inégalité des races humaines, c'est-à-dire c'est préjugé bagaille qui était déjà annoncé le nationaliste socialiste, c'est-à-dire le racisme, c'est-à-dire que blanc connaît le supérieur, toute l'autre race, en particulier le supérieur race noire. Eh bien, de l'égalité des races humaines. Et pourtant, paquet de cerveau ça yo, que 19e siècle haïtien baille, tout nek ça yo fait bec à terre. C'est notre malheur. C'est là accélération pour le fait qui peut le mener occupation américaine. C'est-à-dire, tout nek qui est capable yo, ou bien à défaut d'un leadership populaire, ou bien que yo pas de gueule ça en tête yo. Ou bien c'était difficile tout face à Big Six, la gros bâton, hein, qui impose au point contact à peuple. Eh bien, tout M. Sayo perdu bataille, exil, mourit pauvre, mourit malheureux, mourit de désolation. Toute équipe planète. Eh bien, c'est quelques semaines après d'ailleurs, Antenor Fimé était même annoncé, il dit faites attention avec la Banque nationale. N'a pas marché sous récif et récif ça pas autre chose que l'occupation américaine que nous aurons. Et pas bouche cabrit, non, c'est
capacité d'analyse. Les gars, où est-ce qu'on a fait mauvais route? C'est pour ça, c'est sans émission. C'est pour en faire retourner à l'histoire, pour l'histoire, mais retourner à l'histoire du passé, pour nous comprendre, vous avez dit d'ailleurs, pour nous comprendre ce qui a passé qu'on y a. Côté nous est là, nous nous l'emmènent démonter, et puis, nous avons un paquet d'un récif qui devant, route là par ouais, puis c'est en même temps, il y a la pluie qui a tombé, c'est tempête, c'est bouleversement, c'est déblosaille à l'échelle de la nature, et puis, dans Washio là, émerger, parfois couvri par vague tout, et puis nous-mêmes, nous avons gommé, nous avons bateau, oui, pour nous essayer, chercher, esquiver, et pour nous essayer de jouer un chemin découpé, essayer de sauver le bâtiment, sauver l'équipage là, qui c'est la BAC nationale, qui est Haïti, et puis nous avons gommé, et a dit, gommé, qui est gouverneur la main. Chaque fois, il y a un coup de pied. Donc, le monde ne peut pas arrêter. Et il y a des gens qui ont dit tout. Pour me faire un mauvais coup de volant. Les gens qui ont fait un mauvais coup de volant. Le compte n'est pas rendu compte que c'est tout payé. C'est nous tous qui avons payé. Parce que c'est une formule. Je ne peux pas dire ça en grindant, mes amis. C'est pas ma prime, pas un contrat. C'est référentiel vraiment qui pote nous à Harry. Parce que c'est un peu burlesque. Est-ce que nous sommes capables de sortir à ce point pour nous arriver à nos phases pour le malheur de l'autre? Nous rend joyeux. Le malheur de l'autre fait notre bonheur. Et les Haïtiens réussissent. La réussite de l'autre nous gêne. Mais dans qui fonctionnement nous y est, ça va là. Nous avons un fonctionnement d'autodestruction. C'est-à-dire que nous pas contents. Les nous avons camarades, nous. Les nous avons compagnons de route. Qui Haïtiens pareil, nous. Les réussis, nous fâchés. Et puis les nègres là échouent. Et puis nous contents. Nous avons ça pour lui. C'était toi qui étais bon là. Quand on parle de ça, nous allons vers l'abîme. Nous allons vers l'abîme. Et pour clôturer la première partie, ça, m'a dit de continuer même genre. Oui? Après échec, en tenant filmé, face à Tontonor. Tontonor, général, entre guillemets, général Gossoulier. Mais c'est lui-même qui a remporté la victoire. Puis l'occupation américaine n'a pas été connue, il vient démouler, il vient casser, il vient briser, il vient décortiquer, il vient dépaffiner avec les dernières ressources de l'âme humaine, de l'âme haïtienne, qui fait de résistance. On y a eu de la résilience, avec une résignation presque, même temps, même pas fini de remettre. Alors, eh bien, il dessoune nous, c'est mot haïtien, il dénafle nous. Il dessoune nous, il dépafine nous, et puis, l'occupation américaine vient avec modèle pâle. Pas oublier, la corvée, il ramasse les paysans pour faire route. Mais c'est un véritable esclavage. Ou capable bien, pays a besoin de structure de développement. D'accord, oui, il a besoin de structure, il a besoin d'infrastructure. D'accord pour nous faire route. D'accord pour nous planter la modernité, mais pas avec bâton, pas avec fusil. T'es une révolte paysan même dans le sud. Il y a mouru marche à terre. C'est des massacres de paysans. Nous pas pour Roger Gaillard suffisamment développé le chapitre des Kako. Nous pas pour développer Kakoa. C'est vrai que dans le mouvement Kakoa, t'es une petite dérive, une petite distorsion de vagabondage. À nous connaître, que jusqu'où il y en a vivu, il a dit que, ou que des hommes qui prennent la ria pour tout bon, mais qu'on est guinique pour prendre la ria, non seulement pour la boule de caoutchouc, pour le chaffir un bac pistache, ou bien pour tout prendre bouche, on est capable de passer, ou bien pour le téléphone, on est capable de passer. Ce n'est pas toute foule là, non, comme ça. Mais dans les foules, il y a cette dimension de non contrôlable qui fait que le mouvement Kakoa, t'es qu'il y a des autres là-dedans. Mais, en gros, le mouvement Kako, avec Chalmay Peralta, Benoît Batraville te symbolisé la résistance haïtienne face à la machine de l'occupant. Ça remet tout. Ça remet tout. Côté nous là, à savoir, route express vers l'abîme. Nous avons un chemin, l'abîme, côté nous arrivé là. Merci Franck. Causer ça, moi de tourner sous lui. N'a pas fait camper, n'a pas pause et n'a pas retourné tout à l'heure avec l'émission Roue Libre sous Télé Pacifique, Radio Pacifique.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous retournons à l'émission Roue Libre sous Télé-Pacifique, Radio-Pacifique. Causé a été tellement bon à l'heure que nous dépassons 30 minutes là. Donc, nous avons 10 minutes, Franck, pour nous débattre de la vision de l'ouverture et son échec. Bon, ça veut dire que m'obliger qu'on y ait à mettre en vitesse pour me dire beaucoup de choses en peu de temps. Parce que l'échec de la vision l'ouverturienne, de la politique l'ouverturienne, et c'est pas un bail qu'on a traité en 10 minutes. Bon, m'a essayé, m'a présenté. D'abord, c'était quoi la vision l'ouverturienne? La vision de l'ouverture a été de transformer la société esclavagiste en société du travail, en société prolétarienne. C'est-à-dire, son bagage avant la lettre qui, d'une modernité, est inimaginable. C'est-à-dire que Toussaint Louverture, époque ça, parce que il y a plein de monde qui contestait Toussaint, et que Toussaint était langue blanc. Toussaint était la complaisance, il y allait même la vie privée Toussaint, pour dire que Toussaint était un paquet de maîtresses et ménages qui étaient blanches, et que Toussaint était baptisé un paquet de petites blancs. Ça, c'est une question que vous mettez sous côté, je ne vais pas prendre là-dedans. Ce qui est important, c'est que Toussaint lançait un pion au-delà de plus d'un siècle. Ça, je parle de Commonwealth britannique là, Toussaint, Terwell, avant tout le monde. Il dit, plus d'esclavage, mais nous avons besoin des capitaux étrangers, et en particulier capitaux même anciens colons. Toussaint a tendu la perche aux anciens colons riches pour être retournés. Mais pas comme propriétaire d'esclaves ou propriétaire d'habitation, et puis ou pral gen ouvrier qui travaille à la caillou pour payer. Ben, elle a dépassé l'imagination. Pour l'époque, ça, bon homme coûte quoi Toussaint, il n'y a pas de diplôme, ni diplôme Sorbonne, ni diplôme Bakoné à Harvard University, ni diplôme Cambridge. Monsieur, son homme, c'est sur le terrain, avec intelligence profonde, li, que monsieur a analysé la situation. Monsieur dit mais ça, c'est possible. Avec ceci, il connaît, ou bien son compte 4 tout le temps fait, que prolétariat t'a bien à cette époque-là, progressivement, t'as capable de venir prendre pouvoir. Eh bien, mon cher, non seulement Napoléon n'a pas compris, les anciens colons encore moins, parce que eux-mêmes, ils étaient un seul virus qui l'a caillou indéchoucable, et le virus de l'esclavage. Il faut que yo gen esclaves qui travaillent la caillou, qui travaillent sous audio, qui a maspiné, qui a humilié, qui a dépersonnalisé, yo pas besoin vinn gen ouvrier pour après gen rapport patronat avec salariat. Mais beaucoup de Toussaint, monsieur pas gen trop fanatique parce que tu même gen propre neveu Moïse. Parce qu'il y a dans notre histoire cette fameuse affaire Moïse que toujours présente au baccalauréat chaque 2 ans, chaque 3 ans. La révolte de Moïse, l'insurrection de Moïse. Moïse a été le neveu de Toussaint, mais Moïse lui-même, il était voulu plutôt une révolution avec basse paysanne pour ça, c'est un avance, oui. Ça arrivait très souvent dans l'histoire. Un homme qui a un rêve ou qui a une vision, mais pas branché avec les conditions objectives de la réalité. Or, au compte qu'il a marché, c'est le subjectif-là, rencontre avec objectif-là,
et puis le bord qu'on y a, on symbiose. Cool, bon, on symbiose, les bons synergies. Ça m'a parlé dans tout domaine, oui, et pas seulement dans le domaine politique, non. Même dans le domaine affaires privées au monde, parce que je crois que tout le temps, je m'a toujours répété, premier objectif émission ça, c'est former le monde, c'est bailler une information, mais former tout pour la vie. C'est-à-dire, dans tout ce monde a fait, quel sera en politique, quel sont ses projets liés, pas qu'on ait moi-même un projet business pour compte ou bien une association, il faut arranger pour que les conditions subjectives, c'est-à-dire ça qui est en tête, comme rêve, comme vision, comme projet, que l'opre qu'on y a contexte environnemental, là, eh bien, pour conditions objectives, ça y est, viennent marier, mariner, marconner, marander, plotonner avec conditions subjectives. Autrement, échec. Ça arrive tout ça. C'est-à-dire que Massio tellement subi l'esclavage, en bas, griffe colon, ne peut pas imaginer pour qu'on après tout encore, pour venir commander, même si on pas commandé comme chef, mais on commandé comme gérant, comme gestionnaire de l'habitation, et puis, ne peut pas de vision que pour le travail, pour toucher 10 cob, ni 20 goudes, ni 20 francs à l'époque, c'est franc à la mode, ne peut pas yo casse chez l'esclavage, c'est fini. Eh bien, moi crois que Napoléon Bonaparte t'es trompé le tout. Parce que en même temps que échec Toussaint entraînait l'effondrement de cette vision moderne, son vision moderne, c'est vision du Commonwealth, qui serait l'équivalent de la communauté, ça va être une French community, communauté française. Ça qu'on y a eu les départementalisations pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Et que Aimé Césaire était promote, il était pour mon voilier. Mais on a un paquet intellectuel qui pas voulu voir Aimé Césaire pour ça. Ils ont détesté Aimé Césaire, ils ont raillé Aimé Césaire. Or, une petite question à poser, si Aimé Césaire n'a pas lancé départementalisation, personne ne sait qui sort Guadeloupe, Martinique, Guyane, Tabguin. Personne ne connaît. Eh bien, mon cher Toussaint Bonaparte, il y a eu un fort de jour, il a arrêté lui. Napoléon Bonaparte entré dans la nécessité parce que le perdu, parce que Toussaint, quelque part, c'est une garantie, non seulement pour la liberté des esclaves, mais c'est une garantie tout pour la présence française. Donc, il vient rendre compte ça trop tard que l'aile du Toussaint l'oblige à vendre. Parce que l'Anglais l'en dégonne. L'Espagne l'en dégonne. Les États-Unis, qui ont mis la France, oui. Mais nous connaissons que l'impérialiste, par exemple, eh bien, ils ont mis la France, mais en même temps, tout, ils ont gagné sous ces domaines. Pour raison commerciale, raison l'argent, raison intérêt immédiat. Eh bien, il est obligé de vendre la Louisiane. La Louisiane qui est New Orleans là-dedans, son paquet de terre, il vend quoi pour craser comme. C'est pas n'importe individu qui a l'argent qui a acheté. Il vend ni aux États-Unis parce que toute zone ça partie ça, c'était partie française, c'était pour la France. Et le déclin français a commencé. Le déclin de l'empire napoléonien a commencé, malgré certaines victoires, malgré Waterloo, malgré les grandes campagnes que Napoléon fait pour aller en Italie, pour aller en Espagne, eh bien, la France était déjà en décadence. Qui fait que, quand on a étudié échec politique l'ouverture, échec de la vision de Toussaint, excusez-moi, l'échec de la vision de Toussaint, aussi bien que l'échec de la politique de Toussaint, les lier en même temps à une modification qui va le faire dans l'Empire occidental, parce que Napoléon va le sombrer, et l'Angleterre, et puis les États-Unis, a percé, c'est à partir de là que les États-Unis percé pour le vivre tout normalement actuellement, même s'ils contestaient, on va compter sa capacité dans 10, 15, 20 ans, pour le vivre le number one, parce que c'est les États-Unis qui ont mené
battre la mondialisation. En attendant que nous développions, qui j'ai la mondialisation ça, petit à petit, comment se développer dans les années 60 pour qu'on y aille rayonner à travers le monde. Franck, ou avons envie de retourner avec mondialisation dans l'autre émission. Ah, je crois qu'il faut parler sous lui, même si c'est 5 minutes. Je remercie les téléspectateurs, auditeurs de Roulib sur Radio Pacifique, Télépacifique. Nous remercions l'équipe extraordinaire ça, qui a assisté nous dans chaque émission. Et nous prenons rendez-vous pour l'autre émission bientôt. Merci. Merci, Franck. Merci.